Ils ont coupé, hein, donc on repartage. Ils ont coupé. Libérer le Cameroun à tout prix, on repartage. Bonsoir Aristide, bonsoir à tous. C'est problématique, hein? En tout cas. C'est vraiment problématique. Non, Salomène, j'ai d'abord lancé, mais franchement, ça ne cesse de signaler et ça s'est coupé, donc j'ai seulement relancé. Je sais pas pourquoi ça signale, ça... ils ont coupé. Donc j'ai seulement relancé. Il y a peut-être 30 ou 40 minutes comme ça, ils ont coupé, donc j'ai seulement relancé. Et même là, pour les partages, je n'ai droit qu'à 4 partages. Waouh! C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Partagez alors, partagez dans la... C'est très chaud. Et donc, la première partie, quand même, j'ai pu parler de cette histoire de boycott-là. Et je pense que... On va tous attendre la décision des combattants qui vont trouver le temps de s'asseoir, de discuter ensemble. Et la décision va être donnée par rapport au boycott de Manibela. Mais pour l'instant, moi, comme j'ai dit, moi, ma position, c'est qu'on doit la boycotter. Maintenant, ce que pensent les autres, comme ce n'est pas moi qui décide, on tiendra compte de l'avis de tous et on donnera la décision que nous allons tous décider ensemble. Et je m'alignerai à la majorité. Voilà. Donc, repartager pour qu'on continue le fameux débat concernant ce boycott entre les pour et les contre et entre ceux qui profitent pour régler leur compte. Le combat, c'est sucré. Entre ceux qui disent que c'est une histoire de Jésus et de Kouéptou. Laisse-moi comme ça, Amen Stéphane. Est-ce que c'est mon wifi qui dérange? C'est pas mon wifi qui dérange, c'est... C'est Facebook qui dérange, c'est pas mon wifi, Amel Stéphane. C'est Facebook qui dérange, c'est pas... Mon wifi n'a rien à voir, Facebook ne veut pas qu'on communique. Regarde en direct, j'ai au moins 20 groupes dans lesquels je peux partager, mais je ne peux partager que dans 4 groupes. Donc ce n'est pas mon wifi, c'est Facebook qui nous restreint. Port de l'Ouest est là. Port de l'Ouest. Andy Olivier, le nouveau... Le nouvel ambassadeur de Coco de Manibela. Bonsoir Steph Dull, bonsoir, partagez le direct. On avance. On avance, on avance, on avance. Ce n'est pas une histoire, c'est pas une affaire personnelle et ça ne saurait l'être. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça va le devenir. Parce que depuis la création du boycott, il y a toujours eu ceux qui sont pour, il y a toujours eu ceux qui sont contre. Donc, ce n'est pas une nouveauté. C'est pas une nouveauté, donc ça, et ça sera toujours comme ça. Même, il y aura encore un artiste là qui va arriver. Vous allez voir qu'il y aura toujours des gens qui vont dire non, ne le boycottez pas, et d'autres qui vont dire oui, boycottez-le. C'est comme ça. Bon, bonsoir Serge. Donc ce sera comme ça. Est-ce que Paul de Blaise comprend Amel Stéphane? Tu as dit que Paul de Blaise, sa qualité de personne, que tu lui parles dans la chambre, lui pas parler qu'au salon. Tu lui parles qu'à l'oreille, lui pas parler qu'au stade. Tu lui as parlé fatigué, est-ce qu'il comprend? Il a parlé à Port de l'Ouest fatigué. Je lui ai dit que même quand c'est n'importe comment, on reste que par derrière avec ça. On peut encore verser ça tout dans le groupe WhatsApp, mais pas sur la toile. Est-ce qu'il comprend? Il est devenu. Bonsoir, Will Baker.
Il est devenu le porte-parole de Mani Bella. Il était d'abord le porte-parole d'Averro Jess. Maintenant, c'est lui qui représente à Mani Bella, soi-disant, elle a demandé pardon. Donc, tous les artistes qui ont demandé pardon, là, dès que quelqu'un dit, je vous demande pardon, allez, choup, c'est bon, ok, pardon, accepté, validé. C'est trop facile, Port de l'Ouest. C'est trop facile. C'est trop facile. Et le problème avec lui, c'est avec Port de l'Ouest, que quand lui, il te parle, il faut que tu écoutes. Hein. Moi, quand il m'a parlé par rapport à Averro Jess, en me disant que la mer, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu prends. Moi, je lui ai dit que franchement, Averro Jess, pour moi, c'est encore quelqu'un, je considère que c'est un premier fake, un premier fashion faux pas qu'il vient de faire. Donc, il est encore, pour moi, il est, on peut l'excuser. Et j'ai encore dit à Port de l'Ouest que moi, ce qui m'embête, c'est que sa soirée, c'est la même soirée que Mani Bella et que Mani Bella va être boycottée. Je le lui ai dit. Donc, on a fini avec. Au final, la vidéo que Mani Bella, que Averro Jess a fait, m'a quand même un peu attrapé le cœur. J'ai repris la vidéo, même j'ai partagé sur ma page, en donnant mon avis, en disant est-ce qu'on va rester silencieux à ce cri. Et j'ai vu que beaucoup de gens disaient oui, la mère, vraiment. Sur ce coup, Port de l'Ouest, moi, on est finalement tombé d'accord. Mais ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas le boycott d'Averro Jess. Ça, c'était son point de vue. Mais voilà. Dès qu'on a fini avec Averro Jess, maintenant, c'est que non. Mani Bella a dit qu'elle a demandé pardon. Donc, que quelqu'un demande pardon, elle est chup. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Moi, j'ai dit, même parce que quand la discussion, j'ai vu que la discussion allait encore très loin. J'ai même encore vu que les gens sont en train de vouloir trop tirer. Oui, si vous avez fait, il n'y a pas de deux poids, deux mesures. J'ai dit que mais si c'est comme ça, donc on les boycotte tous. Moi, je m'en fiche. Je m'en fiche royalement. Pour moi, c'est qu'il faut que les gens comprennent qu'on ne peut pas être silencieux, on ne peut pas être insensible, on ne peut pas faire la sourde oreille et attendre deux jours de son concert pour venir dire qu'il veut parler à la base, parler aux Amazones. Non. Non. Donc, si des gens commencent à dire non, c'est pas du deux poids, deux mesures, je vous ai dit tout à l'heure, avant qu'on ne me coupe, que regardez, quelqu'un comme Fingon Kalala, qui a commencé avec le temps de condom, on sait, c'est-à-dire Fingon sait très bien ce que la diaspora attend de lui. Quand vous le voyez faire ces tours-là, vous le voyez passer ici. Vous le voyez passer ici. Il esquive, non? Il esquive. Il sait qu'il va tourner, mais il ne vient pas lui ici. Il va passer, aller à Dubaï, mais il ne viendra pas à Paris parce qu'il sait qu'il va être boycotté. Laisse à Port de l'Ouest. Tu dis que maintenant que chacun boycotte dans son pays, dans sa ville, même si chacun boycotte dans sa ville, c'est ça que tu vas respecter. Parce que même quand nous-mêmes de Paris, si on va t'énerver, tu vas dire que tu ne nous suis plus. Donc c'est ça que tu vas respecter. Est-ce que c'est ça que tu vas respecter? C'est pas ça que tu vas respecter. Tu dis que maintenant que chacun boycotte dans son pays, dans sa ville, mais même si on met ça sur pied, tu vas pas respecter. Parce qu'il suffit que quelqu'un, même moi, même si je te contrarie, demain tu vas venir me verser. C'est quoi? Depuis je vois les Ivana Trump, les Amès, Stéphane, il faut que je te dise que allez régler vos problèmes en interne. Tu veux que venir vous pousser à toi, tu veux que venir vous pousser à toi. Est-ce que c'est digne d'un général comme toi? Ce n'est pas digne. Ce n'est pas du tout digne. On ne peut pas dire qu'on va écouter Mani Bella. On vous dit qu'en 2018, on a eu. Oh là là, pourquoi l'oreille me démange? On a eu à discuter avec elle. On a discuté avec elle correctement et bien. On a discuté, elle a dit qu'elle comprenait Chanel. Chanel! Avez-moi un coton-tige, s'il te plaît. Elle a dit qu'elle comprenait très bien nos réclamations, qu'elle était vraiment, oui, elle était mère d'un enfant. Elle comprenait bien. On a parlé, c'est en quelle année c'est sorti là, 4 ans après. À la veille du concert. Et c'est là où elle vient dire qu'elle veut parler à la base, elle veut parler aux Amazones, elle veut parler à ceci, elle veut parler à ceci. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Moi, je vous ai dit, c'est mon point de vue. Donc, je ne parle pas au nom de la brigade, je parle au nom de VDK. Donc, maintenant, si la brigade décide que c'est comme ça, je monte, je m'aligne seulement. Voilà, je m'aligne. Merci, chérie. Juste là, quand même, ils ne veulent pas. Mais même si ce n'est même pas, excusez-moi, mais vraiment, mon oreille démange. Comment ça? Ça, c'est vraiment le goût. En fait, si tu leur demandes de parler de la guerre dans le nozo, ils vont te dire que non, c'est la politique. Les hommes de la guerre dans le nozo, qu'est-ce qui les dépasse de parler même des denrées alimentaires qui augmentent tous les jours là? Qu'est-ce que vraiment la grève des enseignants qui chauffent tous ces jours-ci? Pourquoi ils ne parlent pas de ça? Hein? Comment on peut être aussi sourd et aveugle dans un pays alors qu'on sait que sa voix compte? Mais quand il faut aller faire les spectacles pour soutenir le régime en place, ils y vont tous, non?
Ils savaient qu'en acceptant d'aller faire un spectacle, sachant que les gens les aiment, les gens vont remplir les salles. Ils y vont tous. Hein? Même si elle a dit que s'ils ne dénoncent même pas, c'est-à-dire que s'ils ne parlent même pas, même de la guerre dans le nos, parce qu'ils vont te dire que non, c'est parce qu'ils ont trop peur. En parlant de ça, on va dire qu'ils font la politique. Donc, hormis la guerre là, tout va bien au Cameroun. Parce qu'il n'y a, a pas seulement que la guerre. Tout va mal. Les routes, les hôpitaux, et Néo qui coule la lumière tous les jours. Vous pensez que si tous les artistes là, c'était comme ça déjà aligné que tous les jours, ils parlent de Enéo, ils parlent de l'eau qu'on nous distribue à compte-gouttes. L'État devait même finir par avoir honte. Mais non, elles s'en foutent. Parce que peut-être chez elles, elles ont les groupes électrogènes, peut-être parce que chez elles, elles ont ceci, peut-être parce que on ne peut pas. Donc pour moi, Mani Bella, son cas et pour Avelotier, c'est deux cas très très différents. Mani Bella nous a déjà affronté ici, c'est pas la première fois. Coco Agenté nous a déjà affronté ici. Lady Pond nous a déjà affronté. C'est comme si Cathy nous revenait aujourd'hui là, on dit que non, et je demande pardon à la base, alors qu'elle a déjà affronté la base ici plusieurs fois. Alors que c'est. Et donc demain, elle va venir dire que je demande pardon. Je demande pardon, Olivier, vraiment, car qu'il est incarné dans mon direct. Je ne veux pas que tu écrives des choses dans mon direct, s'il te plaît. Je ne veux pas. Je te dis, je refuse ça. Je te dis que tant que les gens sont adultes, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Tant qu'on est adulte, il n'y a pas un mineur dans ce combat. Donc, tant que les gens sont adultes, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent de leur corps, de leur web, tout. Vraiment, ne viens pas gâter mon direct avec ça. Et il y a les fous. Moi-même, je fuis la folie. Tout le monde sait ça. Je fuis le fou. Moi-même, je fuis la folie. Mais je ne viendrai pas verser quelqu'un. On doit rester. On doit laver le linge sale en arrière. On peut s'insulter comme on veut. Mais derrière, pas sur la toile Olivier. Franchement, je te dis que je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a beaucoup de fous dans la révolution, mais est-ce une raison de venir nous fragiliser le combat avec ça? Non. Donc les gens ne peuvent pas rester avec qui on a déjà eu à s'asseoir sur une table, discuter, parler avec le producteur, parler avec le promoteur. Bang, tout premier dit que je suis vieille, que je laisse le désordre. Je suis vieille comme le couep-tout de ta grand-mère, non? Tu sais pas que mon visage ressemble à son couep-tout. Donc, vous avez discuté avec une personne. Comme on a discuté avec elle en 2018 avec Mani Bella, et que 4 ans après, c'est là où elle se rappelle que oui, vraiment, effectivement, ce que vous revendiquez là, vous aviez raison et tout et tout. Depuis les 3 ans là, elle faisait quoi? Elle n'était pas au Cameroun. Ou bien elle avait voyagé. Elle avait voyagé. Non. On va la boycotter. Moi, je souhaite qu'on la boycotte. Je suis pour son boycott. Voilà. Je suis pour son boycott. Je suis pour le boycott de Mani Bella. Elle a demandé pardon, elle a demandé quel pardon. Pardon. Où est le lien? Voilà, je pense que, et concernant. Non, ils ne peuvent pas parler des femmes et des enfants tirant de nos os. C'est la politique. S'ils parlent des femmes et des enfants tirant de nos os, c'est la politique. Mais quand elles partent dans les meetings chanter, et quand elles partent chanter dans les anniversaires du chef de l'État, dans les anniversaires de ceci, ce n'est pas la politique. Hein? Mais si elles parlent, et quand on leur demande de parler d'une autre, ça devient la politique. Mais quand on leur demande d'aller chanter dans le conseil pour le renouveau, ce n'est plus la politique, c'est autre chose. C'est pour qu'on puisse dire que dans leur tête là, il y a quelque chose qui n'est pas bien placé. Moi je viens dire que je suis jalouse. Je suis jalouse de quoi? Elles ont quoi? Tout pour vous tourne autour de la jalousie. Je suis vieille. La vieille, c'est une grâce. Je loue le Seigneur comme de vieillir, mais encore plus que ça. Comme ça, j'ai le temps de voir tous mes enfants, tous mes arrière-petits et tous mes petits-enfants. Voilà. Non, mais c'est ce qui est un peu incroyable. C'est qu'aujourd'hui, tu dis aux gens dénoncer, à demander qu'on arrête la guerre. Elles te disent que c'est la politique. Elles ne peuvent pas parler de ça. Vous voyez comment ces femmes esquivent de parler de ce qui se passe dans le nozo. Vous voyez comment toutes ces personnalités esquivent de parler de ça. Que ce soit les artistes, que ce soit les chanteurs, tout ça. Les footballeurs, tout ça, les comédiens. Ils esquivent tous de parler de ce qui se passe dans le nozo. Ils esquivent. Personne ne veut en parler. Moi, j'ai fait une publication tout à l'heure. J'ai demandé que quels sont ceux qui dénoncent les prix des denrées alimentaires qui sont chers. Quels sont ceux qui parlent de Enéo qui passe son temps à couper la lumière et tout et tout et tout. Et même de Ismaël Maléa qui ont parlé de la grève des enseignants. Est-ce que vous avez vu écrit Camto là-dessus? Ils dénoncent les faits de société dans leur pays. C'est-à-dire, ils sont en train de dénoncer les faits
les choses qui minent la vie, qui minent la vie d'un pays, pas autre chose. Les gens pensent que dénoncer ça, c'est... Mais Will Baker, c'est donc ça la difficulté. Parce que, justement, c'est quand même... Non, mais je vais vous expliquer quelque chose. Dissocier les deux artistes qui jouent dans la même salle, c'est pas ça qui est compliqué. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que quand il y a boycott, on est dans la salle. Hein. On n'est pas dehors, on est dans la salle. Parce que les promoteurs et autres savent eux-mêmes que s'ils ne nous laissent pas entrer, ça, les personnes aussi ne vont pas entrer. Et même les vigiles, les agents de sécurité qui sont là pour surveiller, savent que si ça commence, ça va se manquer bagarrer. Donc on nous laisse toujours entrer, on est dans la salle. Donc il n'y a rien qui nous empêche de monter sur le podium. Hein. On est dans la salle. Donc quand on dit qu'un artiste ne preste pas, c'est pas comme si on était dehors et l'artiste est dans la salle avant de ne pas prester. On est dans la salle avec l'artiste. C'est-à-dire que si elle monte sur le podium là, on fait seulement le sagat sagat. Mais en fait, on ne souhaite même pas en arriver parce qu'on ne sait pas. On n'a pas encore eu à le faire parce que ce n'est pas, on n'est pas des animaux. On cherche toujours un juste équilibre. En fait, on cherche toujours à arranger la chose pour que la soirée puisse avoir lieu, mais que seulement l'artiste qu'on ne veut pas ne preste pas. Voilà, parce qu'il faut quand même comprendre que les gens qui organisent cette soirée mettent beaucoup d'argent en jeu. Et à chaque fois que nous avons assisté à cela, on a vu des gens qui étaient vraiment tristes, des gens qui étaient vraiment abattus, des gens qui étaient vraiment... En fait, qui refusent de comprendre la cause noble que nous portons. Des artistes, en fait, les promoteurs refusent de le comprendre. Et quand ils refusent de le comprendre, c'est comme si, ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe dans les pays. Et même quand vous allez dans ces salles de spectacle, vous allez voir qu'ils ont mis tous les panneaux des associations. Toutes les associations du Cameroun sont représentées. Ils vont vous dire que non, ça, pour ne pas payer certaines charges et tout, ils vont vous dire que c'est pour aider les associations. Pourtant, aucune association n'a jamais rien reçu. Mais voilà, non. Donc, en fait, malgré que certains promoteurs sont souvent très colériques, très fâchés, on n'est jamais allé au carnage. On arrive toujours à trouver un compromis. C'est ce qui s'est toujours passé et c'est pour ça qu'on souhaite que ça continue comme ça parce que on a besoin de dialoguer, on a besoin d'échanger, on a besoin que chaque personne qui vient à cette soirée en rentrant, en fait un artiste qui vient. Moi, je suis un peu choquée parce que ça fait 4 ans, on a eu à empêcher Mani Bella de prester. Elle n'a rien retenu de ça. Elle est partie. Elle allait retourner à ses anciens amours, la sardine. Et après, maintenant, elle revient, fait comme si de rien n'était. Je suis un peu choquée parce qu'en fait, on dit qu'elle n'a rien écouté de ce qu'on a dit. Elle n'a pas voulu... Tu vas boycotter qui, Olivier? Tu vas boycotter qui? Sérieusement? Parce qu'il faut parfois dire les choses clairement. Tu viendras taper sur nous dans la salle. Ou bien tu viendras bagarrer avec nous dans la salle. Il y a Facebook et puis il y a la réalité sur le terrain. Parce que moi j'ai entendu même qu'on a dit que le colonel soit qui va taper sur les gens. Mais arrêtez. Vous n'êtes pas d'accord avec notre boycott. Oui, ne soyez pas d'accord. Mais arrêtez de parler de que vous allez nous boycotter. Vous allez nous boycotter où? Arrêtez. Moi je n'accepte pas cela. Je n'accepte pas cela du tout, je n'accepte pas. Je vous ai dit, si je devais venir m'asseoir ici pour verser les gens, qui devraient verser les gens correctement, et bien, vous pensez que c'est vous qui connaissez les secrets des uns et des autres? Tous on connaît les secrets des uns et des autres, mais ça sert à quoi? Est-ce qu'on est venu là pour ça? Pourquoi l'histoire de boycott devient une histoire de la vie privée des gens? Moi, je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas. On ne peut pas dire qu'on va faire quelque chose, et toi, tu viens dire que tu vas nous boycotter dans la salle. Ça résonne comment dans ta tête? C'est comme si demain, toi-même, tu es pour quelque chose et nous, on vient te dire que nous, on va te boycotter. Ça résonne comment? Alors que toi-même, tu es conscient qu'on est du même côté du combat. On va quand même donner la chicotte au sardinat pour nous fouetter à un moment donné. Arrêtez. Oh! Est-ce qu'on va y arriver? Arrêtez, franchement. On ne sort pas grandi de là. Hein. Ça nous fragilise plus qu'autre chose. Vous pensez qu'on est d'accord, on est d'accord pour tout? Je vous ai dit que j'étais d'accord pour qu'on ne boycotte pas Adrien Rodiès. Mais je vous redis encore que si la majorité avait décidé quelque chose, je n'allais pas venir, j'allais être mécontente dans mon cœur, mais je n'allais pas venir manifester ça sur la toile.
J'allais même dire que peut-être je ne participe pas à ça, mais je n'allais pas venir faire ce que tu attends que le fait là sur la toile. Pour moi, c'est en fait, je trouve tout simplement désordre en fait. C'est le désordre. C'est le désordre. Je ne sais pas si, quand vous, si c'est une façon de vous attirer de la sympathie ou alors de montrer que vous êtes en fait, c'est peut-être meilleur que nous. Mais sachez que quand on prend de notre temps pour y aller, ce n'est pas parce qu'on veut plaire. Aucunement, on ne veut pas plaire parce qu'on sait très bien qu'il y a qui sont contre le boycott. Et tu ne seras pas le premier à être contre ce boycott, Olivier Tianan. Avant toi, d'autres gens étaient contre. S'il faut remettre l'histoire à jour, même Calibri avant était pour le boycott, après là, il était pour le boycott, non? Est-ce que ça s'est arrêté? Donc vous pensez que dès que vous avez dit que vous n'êtes plus pour quelque chose, ça va s'arrêter, ça va mettre fin à cette chose-là? Même nous-mêmes aujourd'hui, on peut dire qu'on n'est plus pour le boycott, d'autres personnes prennent le relais et continuent. Pourquoi vous éveillez à penser que c'est votre parole qui va mettre fin à quelque chose? Non? Le boycott, là, c'est un peu comme le MSC. C'est-à-dire que quelqu'un qui est soufflé descend, d'autres prennent le relais et continue. Aujourd'hui, il y a des combattants qui viennent même d'arriver, que quand tu leur parles, ils ne veulent même pas entendre autre chose. Ils veulent seulement vous dire que non, ils vont seulement que boycotter. Chacun a sa position. Mais il est inadmissible et inconcevable qu'on en arrive à venir se tirailler à un boycott entre combattants. Je veux me tirailler avec les sardines à un boycott, mais pas avec les combattants. Parce que pour moi, ça ne vaut même pas la peine. Tu n'es pas pour quelque chose, tu n'es pas d'accord avec nous, ne viens pas. Ne viens pas nous aider, ne viens pas nous accompagner, ne viens pas tout simplement. Laisse-nous aller nous ridiculiser, laisse-nous aller nous casser la gueule, mais laisse-lui, c'est pas grave. Donc quand j'entends les gens dire qu'ils vont taper sur les autres, je suis un peu choqué parce que ce n'est pas le but. C'est pas le but du tout. Voilà, il ne faudrait même pas qu'on en arrive là parce que on est du même côté du combat avant toute chose. Moi, c'est ce que je retiens toujours. Hein. Et ça, je vous ai dit l'autre jour, quand j'ai vu avec ce qui a se passé sur la toile, j'ai vu qu'il y a cette jeune fille qui manque de respect à une combattante. Et je vois que certains de nous sont très contents. Moi, j'ai dit que c'est la même chose qui s'était passé parce que quand il y a eu l'enfarinage, nous sommes partis. Enfariner la petite Aïcha. Beaucoup de combattants avec qui on sait toujours qu'on est du même côté du combat parce qu'on est en train de chasser Bia ensemble. Prenez nos photos pour dire que voilà la personne qui vous a mis la farine, allez lui porter plainte. J'ai trouvé ça quand même inacceptable que même si on a des divergences d'opinion et que voilà, il y a un truc qui se passe, que ce soit les combattants qui soient même encore en train de dire que oui, les voilà, c'est eux qui vous ont mis ceci, va leur porter plainte. J'ai trouvé ça très, très inadmissible. Parce que moi, je ne peux pas le faire. Et je ne comprenais pas comment, même quand Aïcha faisait son direct, j'ai vu la planche à repasser de Marie-Victoire, qui a dit que porte-lui plainte, Aïcha, porte-lui plainte. Je n'ai rien compris. Parce que, en fait, malgré les divergences que j'avais avec les combattants, je ne déteste personne, je n'ai pas de la haine vis-à-vis de quelqu'un. Je vous ai dit, lavez vos cœurs. Je n'ai pas de la haine vis-à-vis de quelqu'un. Moi, quand je n'apprécie plus un combattant, c'est que je ne l'apprécie plus. Mais je ne hais pas la personne parce que la personne n'est pas mon mari, ce n'est pas mon enfant, ce n'est pas membre de ma famille. Ce n'est pas parce qu'on s'est insulté que je vais commencer à te haïr ou bien que tout ce que tu vas faire, je vais haïr. Non, lavez vos cœurs. Parce que c'est comme ça que ça continue aujourd'hui. Vous voyez, cette jeune femme à la maison est en train d'insulter une combattante. On se réjouit. Je suis contre cela. Parce que jusqu'à preuve de contraire, on est du même côté du combat. Je ne peux pas supporter une blogueuse face à une combattante. Même si on me coupe la tête, je ne peux pas. Une combattante reste une combattante. Surtout quand je suis convaincue qu'on est du même côté du combat et que la seule chose qui nous sépare, ce sont les divergences, des petites divergences d'opinion. Donc je ne saurais me mettre du côté d'une blogueuse. Peu importe. Donc, quand je vois dans les gens aujourd'hui, parce qu'on n'est pas d'accord pour un boycott, pour mettre la bagarre aux gens, je me dis, mais attends, on marche sur la tête, on marche sur les cheveux. Mais il y a quoi? Le combat n'est pas censé susciter de la haine. S'il y a beaucoup de haine en vous, orientez cette haine vers Pomba. Allez, orientez cette haine vers Pomba. C'est pas la peine d'orienter la haine là où ça n'a pas rien apporté parce que du moment où tu me dis que tu me hais, tu ne vis pas avec moi. Tu n'as aucun impact dans ma vie. Tu n'es ni le condiment, ni le sucre, ni le gombo de ma vie. Ça ne va rien me dire. Ça ne va pas m'impacter. Mais le problème, c'est que cette haine vous détruit. Parce que ça vous empêche
de comprendre et de voir l'essentiel. Ça vous détourne de l'essentiel. On ne peut pas prendre un combat de la libération d'un peuple et en transformer ça en un combat de haine, parce que si, tant que c'est telle personne, je ne serai pas d'accord tant que moi, des gens m'ont insulté. Vous savez que quand moi je vais aller au concert, quand je vais aller là pour manipuler, moi je me déchausser dans la salle, parce que vous savez que dès que je me déchausse, mes pieds vont seulement faire sortir les gens. Donc je vais mettre mes baskets sans chaussettes, et dès que j'arrive, je me déchausse. Les gens vont fuir. Les gens vont fuir dans la salle. Oui, je suis sûr que les gens vont déserter la salle quand je me déchausser. Mais est-ce une raison lorsque je vois quelqu'un avec qui je sais que elle et moi ne va jamais et jamais être du même côté de quelque chose, parce que ce que moi je défends, la personne ne défend pas ça. Je vais aller commencer à dire que je supporte cette personne, non. Je préfère rester silencieuse. Je préfère observer la scène. Mais je ne peux pas supporter l'ennemi. Les influenceuses, les blogueuses sont nos ennemis. Les influenceuses, les blogueuses sont les gens qui dépuissent le combat. Les influenceuses, les blogueuses sont les gens qui savent où appuyer pour qu'on prenne feu. Oui, elles savent que dès qu'elles vont dire, on m'avait appelé, n'est-ce pas, vous m'avez appelé pour dire que c'est fini. Ha, vous voyez, ils ont appelé la fille pour dire que le fond, j'avais dit qu'on l'a appelé. Même la petite crevette a dit qu'on l'a appelé. Tout le monde dit qu'on l'a appelé. T'as dit qu'on passe le temps à appeler seulement les blogueuses. Il suffit. A dit, elles savent tellement. Pardon. Tellement elles suivent ce qu'on fait, qu'elles savent où appuyer. Elles savent quel mot dire pour enflammer les combattants. Et dès qu'on dit un truc comme ça, oui, j'ai les voices. On m'avait appelé, elle ne disait pas que Village du Quat m'a appelé, bien que Salomé Tchatchat m'a appelé, bien que même Justine Boucan m'a appelé, bien que Sandy de Bonson m'a appelé. Non, c'est que on m'a appelé. Et hup, dès qu'on dit, si on dit que quand moi m'a appelé, elle veut comprendre que oui, elle a dit le nom de la femme qui l'a appelé. Mais on dit on. Dès qu'on dit on m'a appelé pour que je boycotte Calibri, on a déjà vu immédiatement que ah oui, c'est sûr que c'est quand moi qui avait appelé. Et directement, on tombe dedans. Elles savent quel bouton appuyer et tel des zinzin, on tombe dedans, on commence à se tirailler, à se chamailler. Elles sont contentes, elles rigolent. Elles nous détruisent le combat. Donc il est hors de question qu'on les supporte. Que je la supporte. Je peux encore me mettre du côté de la combattante. Oui, je ne supporterai pas, je ne supporterai jamais une blogueuse, une sexfluenceuse face à une combattante. Tant que je suis convaincu que malgré tout, on est du même côté du combat, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Voilà. Donc, et ça, c'était la parenthèse boycott. Donc, quand les membres de la brigade du boycott vont se rassembler avec les Salomènes, tous les membres, toutes les personnes. Lyon Blanc, on va mettre l'adresse. Tiens, vraiment, reste sur ma page, parce que je pense que l'adresse est sur le flyer de... Là, vous avez mis la photo de Rémi Ngonola, mais moi, je n'ai pas l'adresse en tête. Donc, l'adresse est sur le flyer. Mais bien sûr, Nobisix, les influenceurs sont en mission pour nous détruire. Elles savent sur quel truc appuyer. Dès que ça appuie, prouf, on est dedans comme les petits ting-ting. On commence seulement à jacasser, à insulter. Oh oui, c'est vous qui l'avez appelé. Oui, c'est vous qui avez ceci. Oui, vous avez... Voilà, elles savent. Mais bon, bref, je vous disais que après concertation de tous les combattants, on vous donnera la décision du boycott. Donc, moi, ce n'est pas moi qui décide, c'est juste de donner mon point de vue, que moi, je suis pour le boycott. Mais on va décider et la majorité va remporter et on viendra encore vous dire comment on vous a parlé, qu'il en est. Voilà, donc, je peux vous donner ma position à moi, c'est qu'on doit la boycotter. Mais je m'alignerai à ce que les autres vont décider, parce qu'il faut que l'ordre règne et le respect des décisions aussi règne. Voilà, il faut que ça règne. Donc, en deuxième partie donc, de notre direct qui a été coupé, on va parler de cette association. Cette association qui est Femina 237. Je vais donc encore, tout à l'heure j'ai mis le lien et on m'a dit que c'était parce que j'ai faim. Et j'ai mis le lien. Donc, je vais encore remettre le lien parce que ce lien, il est important. C'est pour soutenir... J'ai dit que les influenceurs ont compris beaucoup de choses que nous n'avons pas compris, mon frère.
Tu sais, on a commencé à se combattre ici. Quand on faisait le combat ici, même quand on faisait les levées de fonds pour aider les uns et les autres, on levait des montants pharaoniques, c'est-à-dire des montants qui donnaient le tournis. La même discorde, la même jalousie de que toi tu as levé, l'autre n'a pas levé. Pourquoi toi tu peux lever et que moi je ne peux pas lever? Les problèmes vont commencer. Oh, on ne veut plus les litiges. Oh, on ne veut plus ceci. Ça a créé tellement de remous. Oh, tu fais des oh, ceci, oh, cela, ça a créé tellement de remous que ça finit par arriver là où ça devait arriver. Tu fais un ceci, on part dénoncer. Tu fais comme ça, on part dénoncer. Toujours les mêmes gens du combat que toi, ils partent te dénoncer, oui. Et puis on te bloque le litige et tout, et tout, et tout, et tout. Mais regardez comment les influenceuses là vivent de leur litige. Elles vivent de ça. Elles mettent un litige comme ça, les gens cotisent. Vous n'avez pas entendu que Lolo est parti signaler le litige de Flore. Ou bien que telle personne est partie signaler le litige. Non, mais c'est chez nous. C'est chez nous parce qu'on n'a pas la capacité d'être un peu solidaire. Dès qu'il y a une petite divergence entre nous, ça devient comme si c'était la 4e guerre mondiale. Ça devient comme si la personne a pris ta mère, ton père, tes enfants, toute ta famille. Et que vraiment, ce que la personne a fait... on ne t'a jamais fait ça, ça devient des problèmes. Il faut tout détruire de la personne. La personne ne peut plus prospérer, la personne ne peut plus rien faire. Toute initiative qui est faite par la personne va seulement être boycottée. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc, je vous disais, donc voilà le lien que je vous ai mis. Je vais également mettre... pardon, pourquoi ça me met supprimé? Bon, c'est pas grave, je vais l'épingler parce que j'arrive pas à l'épingler sur notre téléphone. Épingler, voilà. Donc, le lien que je viens d'épingler là, c'est le lien de l'association. C'est le lien, un lien qui a été créé par United for Cameroun et c'est pour l'association, c'est pour venir en aide à l'association Femina 237. Femina 237, c'est une association qui a été pensée par nos soeurs du 237. Vous savez, depuis des années ici, on boycotte le pain du 8 mars. On vous dit qu'on ne parle pas du 8 mars. On ne veut plus que nos mamans aillent dans les bars, soulever les cabangondos. On ne veut plus que nos mamans aillent dans les bars, se ridiculiser, faire du n'importe quoi. Le 8 mars, on boycotte le pain, mais on ne boycotte pas la date. La date, c'est la date de la journée internationale de la femme. Et les femmes doivent réfléchir différemment, penser différemment, revendiquer leurs droits, s'organiser entre elles pour s'exprimer et non s'organiser entre elles pour aller dans les bars boire, soulever les habits, et on les filme avec ce pain de la honte partout, partout. Donc vous savez très bien qu'on a toujours boycotté ce pain du 8 mars ici sur la toile depuis des années. Et quand nous avons donc été contactés par cette association Femina, nous disons vraiment, voilà, nous sommes au 237 et pour le 8 mars, on a pensé mettre sur pied plein de choses pendant une semaine. Et ça s'appelle la semaine de l'activisme de la femme. Donc, on a trouvé le projet tellement intéressant que nos soeurs du 237 enfin puissent penser à sortir d'Enganda, à sortir de soulever pour plutôt penser aux choses telles que des conférences, des ateliers de fabrication de savon, des mini tournois de football et même des petites remises de prix et une soirée de gala qui va être organisée entre elles pour pouvoir clôturer cette semaine du 8 mars qui va commencer du 27 février au 5 mars. On a trouvé l'idée tellement alléchante qu'on s'est dit qu'on devait donc accompagner ces mamans du 237 à rendre cela possible. Donc, vous voyez le lien que je vous ai épinglé là. C'est parce qu'elles ont besoin d'acheter les flyers, d'acheter, fabriquer les t-shirts. Elles ont besoin du matériel pour fabriquer parce qu'il y a une journée de fabrication de produits cosmétiques. Donc, comment fabriquer son propre savon, comment fabriquer son lait de toilette. Vous savez ce qu'il y a à la mode maintenant. Hein? Fabriquer son propre savon soi-même avec les différents parfums qui vous intéressent. Parfums, ceci, voilà. Donc, il y a... toute une journée par rapport à ça, fabrication des produits cosmétiques, conférences de presse. Mais tout ça nécessite une location de salle. Tout ça nécessite de la logistique. Ça veut dire qu'il faut acheter du matériel. Il faut acheter même des petites bouteilles d'eau. Même la rencontre de football que nos mamans là vont jouer, il faut les petits maillots pour les faire porter, pour différencier les différentes équipes. Donc, United for Cameroun, c'est donc dit qu'il faut donc qu'on les accompagne et on a donc créé un lien dédié. Le lien, il est là, comme vous avez vu, j'ai mis HTTP. Voilà, c'est le lien de United for Cameroun pour permettre qu'on puisse collecter un peu d'argent et permettre à ces femmes de pouvoir
de rendre cela possible. Donc, c'est pour cela que je vous ai mis ce lien. Donc, vous qui êtes là, et vous qui êtes d'accord quand on dit que boycott du pain du 8 mars, vous êtes d'accord avec nos sœurs. Quand on dit arrêtez le soulever, vous êtes bien d'accord que vous ne voulez plus que vos sœurs, on croise votre cousine, votre nièce, votre tante, en que le soulever son cabas quelque part. Donc, on vous dit ça. Vous êtes d'accord et vous êtes content que notre sœur du 237 prenne enfin conscience que la journée du 8 mars est un moment où les femmes doivent se retrouver entre elles pour discuter, débattre, vraiment des échanges d'idées, c'est-à-dire des échanges constructifs. Et voilà donc que nos sœurs du 237 commencent à prendre conscience, sont d'accord avec ça et elles sont d'accord avec ça et veulent s'organiser pour pouvoir mettre cela sur pied. Quoi donc de plus beau que de les accompagner? Hein? Quoi de plus beau que de les accompagner pour leur permettre de rendre cela possible, pour leur permettre de pouvoir se retrouver ensemble, fabriquer ces savons ensemble, discuter ensemble des différents problèmes qui minent la société camerounaise, sur tous les droits et conditions de la femme et des enfants. Ça, c'est super important. Mais pour que cela puisse être possible, il faut qu'elles aient un peu de moyens financiers. Je tiens à vous rappeler que ce ne sont pas toutes les femmes du 237 qui travaillent. Même ici en diaspora, toutes les femmes ne travaillent pas, mais c'est hyper difficile. Et c'est un projet qui est assez costaud parce qu'il s'étend sur une semaine. Il va naturellement tient trop les problèmes. C'est un projet qui s'étend sur une semaine. Ça commence du 20, ça se termine le 5. Et toute la semaine, les femmes sont debout. Conférence de presse, match de football, atelier de fabrication de ceci, et ça se termine. Chanel! Et ça se termine le samedi par des retrouvailles. Elles vont toutes se retrouver ensemble pour boire, manger ensemble autour d'une table. Mais pour que cela soit possible, il faut que chacun de vous, vous qui mettez les cœurs, vous qui partagez le direct, vous qui êtes d'accord avec ça, que vous puissiez les aider. Que vous puissiez rendre cela possible. Bonsoir. Donc vous devez rendre cela possible. Et pour rendre cela possible, il faut tenter dans le lien. Il faut mettre 10 euros, 20 euros, 30 euros. C'est pas dans ma poche que vous mettez. Hein. C'est pas, ça vient pas, ça va pas, ça vient pas chez moi. C'est pour soutenir ces femmes. Et vous pouvez même copier le lien et envoyer à vos amis. Et vous pouvez également, il y a un numéro Orange Money que j'ai pas pu épingler. Mais si vous êtes du côté du 237 et que vous voulez faire un Momo ou un Orange Money, n'hésitez pas à me mettre un message. Je vous envoie le numéro pour que vous puissiez les aider directement là-bas. Donc, c'est important. Moi, je suis assez contente parce que je me dis, c'est ma quatrième année que je suis dans le... 2017. C'est ma quatrième année que je suis dans le combat. J'ai toujours en disant, non, le 8 mars, je ne veux pas que les femmes se soulèvent des habits. Je veux que les femmes prennent conscience, qu'elles doivent mettre sur pied des choses. Ivana Trump, laisse le conditionnement, ma chérie. Tu dis comme ça que si le boycott est annulé, si ce n'est pas annulé, tu vas venir, Ivana. Tu es ici à Paris, non? Hein? Excusez-moi. Tu es ici à Paris, non, Ivana Trump? Si le boycott n'est pas annulé, tu seras là. Tu seras là, Ivana Trump. Parce que l'homme comme qui est là, on est allé au boycott ensemble. Ivana Trump, si le boycott n'est pas annulé, tu seras là. Tu seras là pour qu'on passe toute la nuit debout. Tu seras là. Mets les 200 euros dans le PayPal, vieux lion. Je ne sais pas pourquoi tu me parlais de 200 euros. Tu veux venir au boycott avec 200 euros. Mets ça dans le PayPal, ça aide les femmes au Cameroun. Est-ce qu'on t'a dit qu'on vient au boycott chercher l'argent? On ne vient pas au boycott chercher l'argent. Si tu veux te sentir utile, mets ça dans le PayPal, ça va aider tes soeurs au Cameroun pour organiser la conférence, fabriquer des savons, jouer le match de football, acheter des maillots et tout, et tout, et tout, et tout. Ça sera plus, c'est même encore plus important que de venir. Si tu viens au boycott, qu'on fasse quoi avec? Quand on peut au boycott, on a de quoi manger, on a de quoi boire, hein, on est organisé. Hein. Donc vraiment, on n'attend pas qu'on nous fasse une quelconque faveur. Donc, mets ça dans le PayPal qui est là. Comment tu veux nous montrer que tu as trop d'argent? S'il te plaît, mets ça dans le PayPal. Ça va aider les femmes là parce qu'elles ont besoin.
Tu dis, ok, ça marche. Il parle là comme s'il va mettre. Voilà. Mais néanmoins, on vous attend tous au boycott. S'il y a lieu, si boycott, il y a lieu. Hein. S'il y a lieu, si on décide qu'il n'y a pas boycott, moi, je n'irai pas. Mais si on décide qu'il y a boycott, sachez que je répondrai présente. Mais Ivana Trump, toi qui dis là que s'il n'y a pas boycott, il n'y a pas tontine. Est-ce que tu seras au boycott alors? Est-ce que tu seras là, Ivana Trump? Parce que tu es quand même ici à Paris avec nous, donc tu peux venir. Tu peux venir. Tu peux venir, non, Ivana Trump. Donc, c'était juste... Donc, l'association Femina, vraiment, je vous en supplie. Tu peux tout gâter. Bonsoir, Raphaël. Tu peux tout gâter, Lion Blanc de... On va gâter ça ensemble s'il y a boycott, mon frère. S'il y a boycott, on va gâter ça ensemble. Mais en attendant qu'on gâte ensemble, je vous invite massivement. Laure, nous, tu as cru de ça pour y qu'elle s'est excusée, non? Cru de pour y. Elle s'est excusée. On était parlé à son boycott ensemble, Laure, comme. On était parlé à son boycott ensemble. Elle s'était toujours. On lui a parlé. Elle a compris. Elle s'est excusée. Est-ce qu'elle a appliqué ce qu'elle a dit après? Donc, elle devient 4 ans après, elle dit qu'elle s'est excusée jusqu'à on accepte ses excuses de la mère. Donc, tu penses que c'est l'année prochaine, avec l'audience, elle vient encore s'excuser. Je vais comprendre ça. Hein? Donc, si avec l'audience, vient encore l'année prochaine, dit que oui, l'année prochaine, il souhaite encore joyeux anniversaire à Pomba, il vient encore s'excuser, on va comprendre ça. Coco, Manibela est une multirécidiviste, je l'ai dit. C'est une multirécidiviste. Mon avis est qu'on la boycotte. Mais comme je vous ai dit, c'est pas moi qui décide, je m'alignerai. Bon, là, sous maman, pardon, mets même 20 euros dans le PayPal là, pour mes soeurs du 237, là, je t'en supplie. Je parlais d'eux comme ça, que c'est l'association Femina. Même dans le Momo, hein, il y a l'Orange Money. Ceux qui ne veulent pas mettre dans le PayPal, c'est qu'il y a l'Orange Money. Parce que je sais qu'il y a des filles ici qui ont leur compte Orange Money. Ivana Trump. Demande la folie, tu aimes trop déranger. Il y a les femmes ici qui ont déjà leur numéro Orange Money, elles peuvent faire l'Orange Money ici directement, sans même plus mettre dans le PayPal. Donc, même si tu ne peux pas mettre le PayPal, dis-moi, je t'envoie même le message, tu mets même 20 euros dans le Orange Money, même dans le Momo. J'ai les deux numéros ici pour l'association. Ce sont les femmes du 237 qui ont décidé d'organiser la semaine de l'activisme au 237. C'est-à-dire, elles vont passer tout leur temps. Elles sont contre le pain du 8 mars. Elles vont passer une semaine à s'occuper, conférence, atelier de fabrication de produits, match de football. Voilà, alors, donc tu es d'accord que la dernière fois, on avait boycotté. Et on lui avait dit que quoi, qu'elle doit quand même s'indigner, non, alors, comme. On était ensemble, puisque tu vas déposer la défense. Avec le père, moi, il déposait la défense. Elle avait dit que quoi, qu'elle va commencer, qu'elle va s'indigner, non. Qu'elle va vraiment s'indigner, qu'elle va vraiment. Elle a compris ce qu'on a dit, elle va s'indigner. Elle s'est indignée, la mère. Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans, est-ce qu'elle s'est alors indignée? Parce qu'on était ensemble. Parce que quand parfois on dit les choses, on pense qu'on a que d'inventer les histoires. Voilà, là, comme on était ensemble. Le dernier boycott, on était ensemble. C'est même elle qui m'a déposé la défense pour entrer chez moi. Le matin, on a passé toute la nuit à veiller. Vous pensez parce qu'on manque quoi faire chez nous? Toute la nuit, à veiller. Parce qu'on veut que les artistes... C'est-à-dire que c'est nous, on oblige les artistes à prendre conscience, comme on oblige les footballeurs à... Non, mais c'est même une honte. Elle devrait même avoir honte. Elle devrait avoir honte. Sérieusement, elle devrait avoir honte. Que ce sont les soeurs, les femmes comme elle qui sont en train de presque l'obliger. Ivana Trump, c'est quelle connerie que tu écris comme ça? Il veut protéger Sanga. Sanga, c'est qui? Sanga, c'est Manibela. Ah, malchance. Tu me donnes les news comme je n'ai pas la main. Sanga, c'est qui? Hoppa. Ouais, vraiment, non. Faut pas gâter le combat avec des choses comme ça, ma chérie. Vraiment, vraiment, je te dis. Faut pas gâter le combat avec des choses comme ça. Franchement. Est-ce que c'est... tu fais même jusqu'à mon pied des manches. C'est quoi cette histoire-là? Non, tu as les épisodes que je n'ai pas. Hein? Tu as les épisodes que je n'ai pas. Non, Lion Blanc, mets d'abord les 200 euros dans le PayPal. Parce que tu veux que dire je vais. Faut mettre d'abord. Même la moitié. Parce que tu veux que dire je vais sans mettre là. Ce n'est pas bon. Moi, j'aime pas les promesses. J'aime quand on réagit directement. Le lien est là. Il suffit que tu cliques là. Tant qu'on a que le PayPal, tu as réagi. Tu dis que la mère, il va vérifier. Je vérifie.
Il te dit que c'est bon. Lui, Steve, tu vois, on a divisé le combat. Pardon, mon frère, viens nous aider à distiller pour ne plus être divisé. Si vous pensez que c'est facile, si vous pensez que c'est facile, venez nous aider. Je vous invite massivement à soutenir l'association Femina. Je vous assure. C'est parce que mon téléphone que j'utilise... Non, Ivana, je te jure que non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Là, pour le coup, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui, je te jure. Sauf vraiment si j'ai raté un épisode, mais vraiment, ce n'est pas lui. C'est pas lui. Franchement, hein, Ivana. Tu sais que moi, je ne fais pas dans le mensonge à la noix. De ce que moi, je sais, il est pour le boycott. Hein. De ce que je sais, à part si je me trompe, mais de ce que je sais, il est pour le boycott. Hein. Comment tu dis Sanga? Sanga, c'est là la soirée, comment? Même mon Rémi Chou devait être à la soirée, non? Comment tu parles comme ça, Ivana? Même mon Rémi Ngono devait être à la soirée, non? Je lui ai dit que même si tu es là-bas dedans, tu seras boycotté. Ça change quoi? Donc tu penses qu'on va ne pas boycotter parce qu'il y a l'engadin, tel lieu, parce qu'il y a ceci, bien parce qu'il y a même Rémi Ngono dans la salle. Il est là, on va boycotter chaud. Est-ce qu'il va transpirer? Donc c'est impossible, Ivana Trump, qu'il puisse penser comme ça. Moi, en fait, moi, je n'ai pas cette information-là. Donc, moi, je ne peux pas dire des choses que je ne maîtrise pas. Je n'ai pas cette information, mais c'est tout simplement que on n'a pas encore décidé du boycott. Si on boycotte ou si on ne boycotte pas, c'est la brigade qui va décider. Mais moi, je vous ai dit tout à l'heure dans mon direct que je vous donne juste mon point de vue. Donc, partagez encore le direct. Et pour ceux qui viennent de se connecter, vraiment, prenez le lien et allez tontiner pour que ces femmes puissent vraiment... et j'ai oublié de vous dire que tout ce que les femmes... D'accord, Lion Blanc, il n'y a pas de souci. Je vous dis que... Là, comme tu peux pas que dans la soirée, là, que la farine, que... Je vous dis, hein, portez de la vie, hein, en tout cas, ne mettez pas les perruques sur vos têtes. Vous dites que vous venez à la soirée là, vous allez Lille. demandez à Flore de Lille et Amos, ce que Niette avait fait à la soirée avec le gaz lacrymogène. Venez, vous allez voir, venez. Vous jouez le feu, venez. Tu as acheté ton bien, c'est bien. Vous allez suivre qui? En tout cas, je sais que tu blagues. Vous allez suivre qui? Anti. Achète ton bien, non, là. On va te trouver là-bas dedans. Expose-les à la main. Est-ce que moi j'ai un problème? Moi, tout ce que j'écris dans le WhatsApp, je n'ai pas assumé. Expose-les. Moi, je n'ai pas moi. Peut-être que sur les captures d'écran, c'est ça qui est l'amour dans le combat. C'est moi, je n'ai pas moi ça, ma chérie. Expose. Les menaces ont commencé. Ivana Trump. Là, comme tu as entendu, non? Que s'il n'y a pas boycott, on sera tous exposés. Ouais, ça domaine chat, tu viens suivre les menaces ici. Oh. Ivana Trump est fâché. Que s'il n'y a pas boycott, elle nous expose. La fille, c'est ce que prenez le cotonou, hein. Toi, Ivana Trump, tu es comme ça, toi, assise chez toi, tu nous conditionnes la main. Ah, donc tu es comme ça, assise à la main, tu nous conditionnes. Tu penses que c'est facile, Ivana Trump? Et les gens sont partis au boycott, on a crevé toutes les roues de leur voiture. Tu penses que c'est facile? Jusqu'à tu nous menaces, d'ailleurs, que s'il n'y a pas. Salomé est où? Oui, Leslie Paola Ngono, ma chérie, vraiment, quand tu me ramènes à l'ordre comme ça, ça me plaît. Tu me demandes de te parler de Femina. Vraiment, demande-moi aussi d'envoyer le lien, non, la mère, pour que tu puisses leur faire un geste. Il te dit que, vraiment, sans les femmes de 237, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas... Je vais regarder ça dans mon téléphone. Si je vous assure, ces femmes, elles font des choses. Elles ont pensé, non seulement qu'elles ont pensé,
Mais elles ont mis tout en place toute une semaine, la semaine de l'activisme et de la femme et de la femme camerounaise et de l'enfant. Elle a dit, pendant une semaine qui commence le 27, qui est dans quelques jours là, jusqu'au 5, conférence de presse, atelier de fabrication des produits cosmétiques, match de football entre 4 ou 5 équipes de femmes. Et les thèmes de la conférence, elles ont choisi beaucoup de thèmes, et descendent même sur le terrain, elles vont aller rendre visite aux femmes en prison, elles vont aller rendre visite aux enfants, les jeunes filles de Dinozo qui se prostituent à New Bell. Il paraît que là-bas, c'est les fraîches de 14 ans, ces enfants de 14 ans qui se prostituent. Donc, il y a un coin là-bas à Douala que les jeunes filles, là, les enfants là, de 14 ans, donc si tu cherches une de 14 ans, tu sais où partir là-bas, là-bas que les enfants là sont. Donc, elles vont aussi aller voir ces enfants-là sur le terrain. Et le dernier jour, qui est le 5 mars, elles vont organiser une soirée de gala avec des remises de prix, genre femme de l'année, genre femme combattante de l'année, genre femme d'affaires de ceci. Donc, vraiment, c'est tellement bien, bien organisé. Et on est vraiment, et elles sont venues vers nous, United, nous demander de les accompagner. Mais vous savez, United est une structure de levée de fonds. C'est pas comme si United, ce n'est pas la banque que quelqu'un vient poser un problème, on prend l'argent, on donne. Quand quelqu'un vient poser un problème à United comme ça, on fait un lien dédié, comme le lien que vous avez vu qui est épinglé là. Et à travers ce lien, les gens tontinent. Et dans le lien, quand les gens tontinent dans le lien et l'argent qui est tontiné, on porte donc pour donner à l'association, pour que l'association puisse faire ce qu'elle a envie de faire avec. Mais sachez que moi, je suis très contente parce que les femmes là ont vraiment pris conscience. Vous savez, depuis des années, ici, on critique le 8 mars, on critique ce pain, on le boycotte même. Et maintenant que nos sœurs ont compris ça et sont d'accord de mettre le pain de côté et de penser à la femme et à l'enfant, on doit les encourager. On doit leur permettre de rendre cela possible. Si elles viennent comme ça, elles nous demander que aidez-nous la diaspora, aidez-nous United, aidez-nous les combattantes pour qu'on puisse organiser ces ateliers de fabrication de savon, ces conférences de presse. Et ça va être filmé. Hein. Ce n'est pas des choses qu'on va faire sans qu'on nous voit. On veut que le match de football soit diffusé en direct sur United. On veut que la conférence soit diffusée en direct sur United. Donc vraiment, ce n'est pas des choses qu'on parle et puis on vous rythme. Non. C'est quelque chose qu'on doit vivre en direct. On a un groupe dans lequel on travaille avec ces femmes de 237. On échange. Elles nous disent ce qu'elles veulent. Et chaque jour, on leur dit que non, attendez qu'on lève les fonds pour pouvoir voir si cela va être possible. Donc, s'il n'y a pas suffisamment d'argent, elles ne pourront pas. Alors qu'elles ont vraiment compris que le pain du 8 mars ne sert à rien et que la journée internationale de la femme est là pour parler de la femme, des problèmes de la femme, des problèmes des enfants, des problèmes qui minent la société. Donc, c'est le fruit quand même de tout ce qu'on fait ici. Quand on leur dit, vraiment, les femmes, arrêtez de vous ridiculiser, arrêtez de faire telle chose, arrêtez d'aller dans les bas-bois, arrêtez. Et maintenant, d'autres, je ne vais pas dire tout, hein, parce qu'il y a toujours des têtes de linotte qui ne vont jamais comprendre. Mais du moment où quelques-unes commencent à prendre conscience et à vraiment vouloir engager des bonnes choses, on doit les encourager. On doit les encourager. Donc, Femina 237, il y a une page Facebook. Déjà, c'est une dame, c'est la photo d'une dame avec le foulard rouge, rose, avec des belles couleurs jaunes. Et il y a leur page Facebook qui est Femina 237. Je vous invite déjà même à aller vous y abonner. Mais je vous invite avant tout à cliquer sur le lien et à mettre même 10 euros, 20 euros, mes soeurs. C'est très important. Elles ont besoin qu'on les soutienne. Parce que quand les femmes comme ça entreprennent des choses comme ça, si on ne les soutient pas, surtout que c'est la première année qu'elles y ont pensé, c'est mort. Elles ne le feront pas l'année prochaine. L'année prochaine, elles ne le feront pas. Elles ne le feront pas du tout. Parce qu'il n'y aura pas eu un accompagnement. Oui, oui. C'est un projet qui est chiffré au moins à 1 million et demi, 2 millions. Donc, il faut qu'il y ait un accompagnement. Donc, et s'il n'y a pas d'accompagnement, elles vont se décourager. Elles vont se décourager, elles vont passer encore voilà, une semaine où elles devaient se rencontrer entre elles, discuter, échanger, profiter des idées des unes des autres. Et ce sont des expériences comme ça. Quand vous voyez, on vous dit fondation, telle personne, ça se commence comme ça. Ça commence comme ça, une année, deux années, trois années, ça se solidifie, ça se construit. Quatre années, c'est la première année avec 50 personnes. La deuxième année, il y a 100. Ainsi de suite, ça fait que ça grandit.
Et c'est comme ça que, avec du temps, beaucoup de femmes vont rejoindre l'association et pourront faire des choses ensemble. C'est toujours important que un jour de l'année, elles puissent s'asseoir et discuter des problèmes des femmes entre elles. C'est l'importance même de la journée du 8 mars. La journée du 8 mars n'est pas une journée où on doit venir porter les pains, vendre les pains aux gens et dire aux femmes que c'est la journée de l'émancipation. Non, c'est la journée de la conscientisation, de la revendication de nos droits. Donc, parole à JSK, j'espère que j'ai apporté des éclaircissements assez importants. Si tu as encore besoin d'autres informations, n'hésite pas à m'écrire un message sur Messenger, je vais réagir. Mais je vous invite vraiment à soutenir cette association Femina 237, à les encourager parce que toute chose, la mise sur pied d'un projet est toujours très difficile au départ. Dès que la mayonnaise prend, ça devient une continuité et c'est plus facile à gérer. Mais ce sont les débuts qui sont toujours très difficiles parce qu'on doute, on n'y croit pas, on piétine un peu et c'est pas évident. Et on ne veut vraiment pas que ces femmes se découragent. Parce qu'on a mis tellement d'années à les bassiner, à les chauffer les oreilles. Non, on boycotte le pain du 8 mars. On ne veut pas de ce pain du sang. On ne veut pas de ce pain qui permet à la première dame de s'enrichir. Moi, depuis que je suis en Europe, je n'ai pas encore vu une femme avec le tricot du 8 mars ou même avec le pain. Ça n'existe pas ici. Ça n'existe pas. Pourtant, ce n'est même pas un jour férié. Pourtant, c'est la journée internationale des droits de la femme. Ça n'existe pas. On ne porte pas, on n'invente pas un pain pour s'enrichir. Quelqu'un a inventé son business et chaque année, elle creuse sur le dos de nos mamans. Et du moment où nos mamans, certaines de nos jeunes soeurs disent que non, c'est bien, on a compris. C'est ça que j'ai dit Marie-Paulema, que pourquoi c'est quand elle veut venir faire le conseil qu'elle me demande pardon. C'est vrai que la partie la même qui me dérange, non seulement que c'est à la veille de son conseil qu'elle me demande pardon, mais également elle porte le cabas du 8 mars pour me demander pardon avec. Donc c'est tout ça même qui me contrarie au plus haut point. Mais bon, bref. Voilà, donc j'espère vraiment avoir apporté des éclaircissements à ce sujet. J'espère que vous n'avez pas été sourde à mon appel et que vous allez pouvoir vraiment chauffer vos cartes bancaires et aider cette association pour pouvoir mettre leur projet sur pied. Vous aurez bien évidemment le retour à travers les vidéos en direct, les photos, toutes les images de ce qui va se passer. Vous aurez bien tout cela en direct. Mais ça ne pourra être possible que si on tontine et que s'il y a un peu d'argent pour permettre à ces femmes de mettre sur pied ce projet. S'il n'y a pas l'argent, elles vont mettre sur pied ce projet comment? Elles ne pourront pas. Donc, il faut qu'on tontine pour qu'elles puissent réaliser cela. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire ce soir. Il est 19h25. Je vais aussi m'arrêter là pour aller m'occuper de moi-même et des enfants et de la famille. Et je pense que Ivana Trump, qui est très déchaînée par rapport au boycott, elle impose qu'il faut qu'il y ait boycott. J'espère qu'elle sera avec nous. Qu'elle va nous faire du café bien chaud et qu'elle va nous tenir au chaud toute la nuit parce que passer. Mais elles sont toutes en chantier, non, Ivana Trump? Elles sont toutes en chantier, non? Tu penses que le conseil du RDPC qu'elle est partie faire là-bas en Vokmeka, on n'a pas payé? Elles sont toutes en chantier. Elles sont toutes en chantier. Donc, même Salomène, s'il te plaît, vraiment, je vois bien comment ce projet t'emballe et te plaît bien. Donc, la mère, n'oublie pas de mettre même 20 euros dans le PayPal pour soutenir ces femmes-là. Vraiment, c'est un très bon projet. Hein. Et même si tu veux te joindre au groupe qui travaille là-dessus avec Nandi et tout, n'hésite pas. Hein. Franchement, c'est tout ça très intéressant. Que nos soeurs là aient pensé comme ça, c'est vraiment très très intéressant et on doit les accompagner. Moi je pense que notre rôle c'est vraiment de les accompagner pour que même chaque année, elles puissent refaire cela. Ok, si tu vas lancer un direct alors moi j'arrête Salomène. Ok, il n'y a pas de souci. Donc merci beaucoup, on va tous aller comme ça donc chez Salomène pour continuer avec le direct. Merci à tous.